Petit café. Petit café, et on va plonger explorer Vostok 2061, qui est un shmup qui est sorti en 2022, fin d'année, qui présentait plutôt propre, mais dont on a quelques doutes concernant le gameplay. Bullshit ou vérité? Tout de suite, cela va être vérifié. Vostok 2061. Ah, j'avais dit que ça présentait plutôt bien. Alors, ça, c'est une des choses. L'autre chose, quand vous allez voir bouger un petit peu sur l'écran, vous allez vous dire: oh mon Dieu, ça y est, on y est encore, on y est revenu. C'est de l'euro-shmup. Et je ne saurais contrarier ce que vous avez pressenti. Pour rappel, qu'est-ce qui différencie un euro-shmup d'un shmup State of the art? C'est un peu une sous-catégorie dans laquelle on met les jeux qui sont très scriptés et dans lesquels il n'y a quasiment aucune intelligence dans l'ennemi. Oui, l'ennemi va pas se mettre à improviser une nouvelle réaction quand vous serez mis face à lui. Donc ça se déroule comme du papier à musique en général. On en fait très vite le tour une fois qu'on a mémorisé. Et c'est ce qui fait que cette catégorie de shmup manque un poil de charme. Tir. Fusée. Les missiles, quoi. Le souffle de Perrin, ça doit être la ultra bombe. Et le bouclier énergétique, faudrait que j'y pense à ça. Changer des armes. Il devrait y avoir un tuto sur ce truc, moi je dis. Ah, ça bouge au stick. Alors, j'ai une énorme remorque derrière moi, déjà. Ah, piou piou piou, je vais la mentir. L'autre, il sert à quoi du coup? On verra après. Ça commence très encombré. Mon truc derrière me sert à quoi? J'ai pas compris. C'est une remorque. Ouais. Elle sert à quoi? Là, je réitère. Alors, il me semble. Je sais pas si je dis des conneries. Ah, je suis attaqué par des pépites. Oui, les graines de tournesol, rappelez-vous. Vous aussi, à la récré, vous en bouffiez rien que pour le plaisir de cracher après. Ouais, je sais. J'ai une barre de vie sur ma remorque. Alors, je suis un camionneur de l'espace, de ce que je comprends. On va mettre ça au niveau où bah, vous interprétez quoi d'autre, les gars? Moi, je peux pas interpréter différemment. C'est dommage. Les sprites sont très jolis. Hein. C'est des petits trucs calculés, pré-calculés en 3D. C'est une très jolie tronche. Je surveille mon cargo, mon transport, mon chargement. Ouais, des fois, je trouve pas les mots. En essayant de vous commenter ce que je ressens en même temps, tout en découvrant le jeu. Et comment dire, j'ai un sentiment de doute qui m'assaille, oui, comme ce guerrier africain. Kényan même pour être précis. Oh putain, des passages de quoi? Attends, on va y aller calmos, les gars. Je n'appellerai pas ma super bombe, parce que j'ai pas encore tout compris. J'ai toujours cette jauge en bas là sur le... Eh mec, lâchez pas le joueur là-dedans, expliquez-lui un petit peu quand même, il a le droit de savoir, le droit de savoir. Je vais appeler Élise Lucet si ça continue. J'essaye le prout de je ne sais pas quoi. Non, ça ne marche pas. J'essaye les autres touches, j'essaye de changer d'arme, j'essaye de me faufiler. Mon chargement a morflé. Je suis un mauvais livreur, assez probable ça. Moi, le métier d'esclave, je le fais pas avec application et amour. Il est très étrange ce shmup, très étrange, parce que niveau graphique, on sent que les gars ont trouvé un outil qui est sympa pour faire quelque chose qui a de la gueule niveau rendu. Même si parfois on se demande si c'est pas généré par IA. Oh le méchant. Maintenant ça va devenir un terme péjoratif, hein, je préviens. Eh mais ton truc tu l'as fait par IA. Alors je peux me servir de mon chargement pour me protéger. Mais à chaque fois il est endommagé. Donc c'est peut-être pas la bonne stratégie, je crois. Mine, je prends. Ah mais j'ai droit qu'à ça maintenant? Ok. Donc ça veut dire qu'il faut que je... Les gars, faut que je passe moi.
je le dis clairement, je comprends rien à ce titre. Les shmups sont les bonus sont temporaires. Je me suis éclaté. On va recommencer. On va peut-être essayer de comprendre. Escorter le cargo en territoire hostile, c'est bien ça. Faut que je le protège, hein, mon chargement. Étrange, étrange. Les gens qui s'attendaient à un Danmaku ou un dérivé du genre vont faire une drôle de tête, je pense. Ils ont raison. On va passer là, il y a moins de monde. C'est très mou. Alors ça aussi, c'est une des autres choses qui accompagnent le jeu. C'est cette finesse graphique liée à la mollesse du gameplay. Oui, je l'ai dit avec 25 L. Pour qu'elle vole plus haut. La mollesse du jeu. Mais tu à ton tour, tu à ton tour, ça aussi dans le gameplay c'est très heureux. Ça va être le titre de toutes les contrariétés, j'imagine, parce que c'est pas inutilisable, mais niveau intérêt on est dans une zone où franchement je remonte ma life, la life du changement, je sais pas, on est dans une zone où étrangement, je ne vois pas où se trouve l'excitation. D'ailleurs, ça doit s'entendre un petit peu au timbre de voix, non? Mais ouais, là, on est clairement dans des mecs, expliquez vos trucs, des fois, ça peut aider. C'est pas superflu, c'est pas accessoire, c'est pas encombrant, on a envie de comprendre. Évitez les collusions avec les structures cognitives. Regarde sur le côté les instructions. Pourquoi elles pouvaient pas apparaître sur l'écran? Ça faisait trop. Ok, on va dire ça. Ça passe, là, regardez. Hop. Oui, vous l'entendez, ce grand soupir de Monsieur K qui signifie qu'il est embêté. Il doit critiquer objectivement ce jeu, mais là objectivement je suis dans un ennui assez relatif, vous l'avez bien compris. Mon chargement va crever, les gars, mon chargement va crever, parce que j'ai cherché mes mots plus que protéger le chargement. Et forcément il y a une facture à payer à un moment. Crève pas le chargement, c'est sympa. Suis-moi, mais pas trop. Non. Le vaisseau bouge peut-être un peu vite, je sais pas. Et alors ça, c'est une merde. Mais c'est une merde sans nom, ce truc, regardez. Des petits robots tout petits qu'il faut aligner, qui sont pas épais. Il y a une distance aussi due à la résolution entre le bas de l'écran et le haut de l'écran, vous avez vu, compté en pixels. Ça fait que mon tir, quand il part, je trouve qu'il met du temps à arriver là-haut. Ça vous le fait pas, cette impression? Les mines, piou piou piou, alors c'est temporaire, on va économiser. Piou piou piou! Yeah, I'm a bad boy, I'm a naughty boy. Oh, ça crève pas ça? Oh, 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 sa mère! J'ai pété mon chargement! On va récapipéter, les gars. Quel moment? Retour à la base? Je sais pas, ce shmup est très très étrange. On est devant un titre qui nous fait faire du shmup d'une mollesse rarement vue, avec un démarrage qui est un... Il faut escorter un chargement, et ça représente votre vie, et il est très encombrant, et il protège des tirs, donc on a envie de s'en servir pour se protéger, mais à chaque fois on le déglingue. Votre shmup, en fait, c'est que des contrariétés pour le joueur, c'est super bizarre comme démarche. Attends, moi, j'ai pas fini mon café. C'est parti. How it began. Ah ben, au début, il y avait le grand cercle avec des déchets de poubelle qui tombaient. Ah, le grand cercle était au-dessus de toi. Et on entendait clairement les déchets exploser au loin. Des bus, des citernes, pas citernes que ça. Bref, il y a un scénario, on est un éboueur d'espace. On recycle ce qui tombe. Des... comment ça va s'appeler, ce truc? Ah, ça commence à chercher un peu, là. Ces patterns sont pas d'un ennui, ce serait trop gentil. Ces patterns sont d'un rétro. Voilà. C'était ça, le mot exact.
Faisait attention avec les collisions, c'est surligné en rouge tout ce qu'on peut pas casser. Ouais, c'est cool. Et maintenant on fait quoi? Alors il y a des petits trucs rigolos, mais on sent que les mecs se sont plus amusés à programmer qu'ils n'ont songé à rendre le jeu amusant pour l'utilisateur. C'est une drôle d'impression et c'est celle que j'ai. Je peux pas monter plus haut que ça, mais comment je peux faire pour être une terreur Alors attendez, j'ai un méga tir. Non, pas encore. Ça va venir. que dire d'autre? Je suis embêté quand j'ai ce genre de cheveux dans les mains parce que je sais très bien que ça peut être une aventure exaltante à programmer, mais je reviens à ce que j'ai dit il n'y a pas très longtemps. Pour l'instant, qui s'amuse? Le programmeur ou le joueur? Vous avez la réponse, moi aussi. Ouais, ce serait bien, gars. Mon dieu. Je cherche du positif à raconter, mais vous comprenez bien que pour un shmupe, ça c'est le genre de titre qu'on fuit. Parce qu'on s'y ennuie du début à la fin quasiment. Et puis le déplacement du vaisseau pareil qui est. Je peux pas. Il est à la fois rapide et mou. J'arrive pas à l'exprimer. Ah, faut tirer là-dedans. Ok. C'est terrible. Du coup, il y a aucun intérêt dans les placements, puisqu'on fait que de l'esquive qu'on voit venir. C'est un peu le Darius, niveau format de. Le Darius du shmup. Mais en vertical. Pour être totalement complet, il y a des objets dont on ne distingue pas vraiment avec le fond s'ils font partie des choses qui prennent des impacts ou pas. Donc ça aide pas non plus. Et je le réitère, le jeu est très joli. Le jeu est très joli. C'est le seul truc qu'il a d'ailleurs. Il est joli. Voilà. À la limite, on ferait des posters avec ce jeu, ça, c'est, peut-être ça suffirait. Qu'il soit interactif et jouable, ça part vraiment trop demander, je sais pas. Je suis méchant? Non. Non, mais regardez. En plus, dans la mollesse, il y a des tirs quand même d'une vitesse. De petites. Il y a un terme pour ça. De petites femmes, de petites vertus. Les ennemis, on peut les dépioter apparemment, regardez. Mon tir est ridicule, il ne change jamais, enfin que rarement, et c'est. Ça donne envie de pleurer. Alors ils ont eu la bonne idée de mettre une jauge de vie plutôt que faire crever à chaque impact de tir ennemi reçu. Ce qui est louable. Mais. Elle est où l'éclate, les mecs? Je cherche là. Gagner. Ah, joueur, regardez, entre chaque niveau, on va pouvoir améliorer le vaisseau pour moins être une burne, on pourra lui mettre des aimants. Alors, comment on bouge de ça? Ah, je peux changer? Attends. Cette interface faite avec le fion aussi est quand même très ennuyeuse. On voit pas ce qu'on met en surimpression. C'est quand même paradoxal, les mecs. Oui, j'ai pris la souris là parce que je commençais à péter un câble. Lourd et lent, mais il a des grosses baloches. On va falloir aborder les niveaux avec un vaisseau plus ou moins adapté si ça devient trop dur. C'est ça l'idée. Ok, c'est pas nouveau, mais bon, on va faire avec. Et mon, c'est quoi? Alors on va faire la tournée des bonus. D'accord, ça c'est à l'unité, c'est pas terrible.
D'accord, tous les autres trucs se rechargent. Dommage qu'on ne puisse pas jumper d'une info à l'autre. Ça, c'est ce que je vais essayer d'avoir, je pense. Ouais. On peut pas l'installer, ça. Ce serait trop. Bah oui, ce serait trop. Ok. Bouclier énergétique. Bouclier temporaire. Ah, cette interface, Duc. Quel soupir, j'ai rien entendu, moi. Bon, niveau prochain, j'y vais. Vous avez rien compris, moi non plus, on y va. Regardez, je fais de la protection de cargaison. Comment ça, un air de déjà-vu ? Oh, peut-être. Je vais être traumatisé par ce titre, parce que son interface toute cailleuse, liée à son gameplay, qui n'est pas moins... Ça rattrape pas les jolis graphismes HD, je suis désolé. Il y a très très peu d'intérêt à enchaîner, faire des combos, parce que c'est pas récompensé non plus. Donc le joueur, pareil, il est là, il fait ouais, papa papa, papa papa, papa papa, papa papa papa, je sais pas. Je peux pas m'enjailler sur ce genre de titre et on sera nombreux à pas montrer d'excitation par rapport à ce truc parce que il est bateau, il est bateau, il est bateau aussi avec un P. Le seul truc qui est bien, c'est il est beau. On peut pas dire il est pas beau. C'est dommage parce que bateau, il manquait juste bateau. On aurait fait un trio combo of the death quoi. Pareil, on n'a aucun intérêt à trop regarder sa jauge en bas, parce que on prend un tir, on sait que ça passe, on peut en prendre 10 000. Donc, tu sais, il y a un cumul d'erreurs, là, qui est quand même pas très pardonnable. Pour aligner ces petits trucs, faut se mettre, le stick bouge trop vite, donc c'est pas terrible, terrible. On va passer là, non, là, avance. Hop. Non, t'attires pas. Alors ça, ouais, ça s'attire sur mon chargement, faut que je fasse gaffe un peu. Eux, ils sont tout colère, donc je suis obligé de me sacrifier un peu pour m'en débarrasser. C'est merdique. Mes amis, si on n'avance pas, qu'on passe pas ce niveau, je crois que ce sera notre dernière partie, parce que je vais être diqué, j'ai pas envie d'être méchant, et... Pourtant, c'est ce qui va se passer, quoi. C'est tout ce qu'on déteste dans le shmup, honnêtement. Combien j'en ai fait de soupirs aujourd'hui ? Ah, parce que c'est un indicateur, je pense. Plutôt que de mettre des notes, je devrais mettre des soupirs sur les jeux. Mec, à quel moment il est cool votre jeu? Après? Ouais, on va y croire, on va dire après, allez. Bon, on est allé plus loin. C'est hors de question que je recommence, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est quoi cette merde là? Moi j'ai un truc, une enclume au cul, les mecs se baladent et ils m'en envoient des séries. Et sorti du placement médian, je vois pas trop ce qu'il faut faire. Je vois plus la jauge de ma remorque de derrière, c'est de... Mais ça veut quoi?
mon ravitaillement va morfler là, je peux rien activer, j'ai pas de bombe secondaire, j'ai que dalle. J'ai juste ma voix pour me défendre. Bouh bouh, vilain, file, file, ouh, ouh le pas beau, ouh le pas gentil. Puis il va rester là toute la journée, mec. Hein. Eh gars, j'ai un truc. On a un niveau à faire voir, si tu me laisses pas passer, on va pas être potes et... comment dire, tu vas le regretter en fait. Parce que c'est ta promo que j'essaye de faire, bien que j'ai pas été très élogieux. Non mais les gens, j'aurais essayé de vous faire voir Vostok 2061, mais vous avez bien compris que si je continue à jouer, je vais me forcer quoi, et je vais être de plus en plus méchant. On va éviter ce passage tragique dans le test d'un jeu. Est-ce que c'est un titre que je vais recommander? Non. Alors si, je vais le recommander à une catégorie de joueurs. Les gens qui aiment pas les shmups. Vous aimez pas les shmups? Vostok 2061 me semble totalement taillé pour vous. Vous y retrouverez tout l'ennui que vous détestez dans les shmups et cette façon de jouer pas terrible qui vous donnera ce sentiment de pas supériorité. Voilà, j'ai bien décrit le truc. En tout cas, s'il y a un jeu à éviter en ce moment, c'est bien celui-là. Ouh. On quitte. Oh, j'ai encore un goût de... Vous savez, c'est comme quand vous bouffez un bout de pain de mie et que vous n'avez pas vu le coin moisi et que vous tombez dessus. C'est exactement pareil.